s'intitule La feuille de trop. C'est Lucas. Il vient d'avoir son permis et du coup, trop refait. Il va bouger partout. C'est trop de la frappe. Quand il monte dans sa voiture, il a l'impression de pouvoir aller où il veut et d'avoir une liberté infinie. Lucas, il bouge tout le temps avec sa caisse. Et il a une petite habitude qui commence à s'installer. C'est de retrouver sa copine qui habite à quelques kilomètres de chez lui. Du coup, le soir, il prend sa voiture et direction chez sa copine. Lucas, en fait, prend la route de nuit pour aller voir sa copine, mais c'est pas n'importe quelle route. C'est quand même. Pour expliquer, c'est une route de montagne. Il doit passer pas mal de virages. Ça monte, ça descend. C'est vraiment route de montagne. C'est pas éclairé. T'es au milieu de la forêt. C'est l'endroit où tu veux pas tomber en panne. Je sais pas si vous êtes déjà dit ça quand vous étiez en voiture, mais il y a des moments où tu te dis. Faudrait pas tomber en panne ici, quoi. C'est la merde. C'est littéralement par là qu'il va passer. Littéralement par là qu'il va passer pour rejoindre sa copine. Très souvent, presque tous les soirs. Et les parents sont habitués, il dort chez elle, tout ça. Il est bien connu de la famille. Donc il débarque le soir. La maison, en fait, de sa copine. C'est pour planter un petit peu le décor, ça n'aura pas forcément d'importance pour l'histoire, mais en fait, ses parents habitent une très grande villa. Et il y a une espèce de dépendance, un petit peu, une espèce de maisonnette sur le côté. Et c'est là où vit sa copine pour qu'elle ait, on va dire, son semblant d'indépendance et qu'elle commence un petit peu à se gérer, tout ça. Donc c'est grave cool, hein. Lui il peut arriver à n'importe quelle heure, il s'en fout finalement. Donc en fait il débarque le soir comme ça, quand il finit sa journée, qu'il est rentré du sport, qu'il est rentré avec ses potes, etc. Et en fait, cette route, au milieu de cette route, il y a une montée, une grande pente. Quand il se rend et sa copine, ça fait une grande pente. Du coup, quand il revient, c'est une descente. Mais du coup, il s'est habitué à un truc, il se fait kiffer en fait. C'est lui, il est libre dans sa voiture. Pour lui, c'est sa plus belle vie, tu vois. Mais là, il roule, il regarde les étoiles, il pense à autre chose, il met la musique à fond. Il est dans son truc. Et il a pris un petit kiff, c'est que dans cette, au milieu du trajet, dans cette montée, et après un petit kiff, c'est de regarder les étoiles au-dessus de la montagne parce que c'est juste magnifique. Je sais pas si ça vous fait déjà, mais quand vous passez un endroit en voiture qui est trop stylé, limite vous ralentissez. Tu vois, c'est le moment où tu ralentis, tu regardes le décor. Des fois même, tu peux te poser sur le côté et sortir et regarder. C'est un peu ce qui se passe là. Tout le long de la montée, il ralentit, il monte tranquillement cette côte et en fait il regarde tout le ciel étoilé et tout ça et il kiffe. C'est devenu une habitude. Et puis il va aller bien, il va aller chez sa copine et ce soir-là, il rentre un peu plus tard que ce qui est rentré d'habitude. Il est en voiture, même principe, délire, il est dans son truc, tout ça, il est content, il va chez sa copine et tout. Et là, il prend son temps dans la montée, les étoiles, trop bien. Et au milieu de cette
cette côte, quand il est à peu près vers le milieu, et qu'il regarde ce ciel, il voit une étoile filante. C'est pas la première fois. Puis quand il voit une étoile filante, bah, je sais pas si ça le fait pour vous, mais lui, bah, il fait un vœu. Voilà, c'est un peu le truc cliché, mais il fait un petit vœu, tu vois. Du coup, là, il est concentré sur ça, il voit l'étoile filante, il dit, oh, trop cool et tout. Il va pour faire son vœu et ah, l'étoile, elle repart dans l'autre sens. Et il se dit, mais what the fuck? Il ralentit encore plus. Il cligne des yeux, tu sais. Genre, je sais pas, halluciné, tu vois. Et il revoit l'étoile filante au même endroit passé. Il dit, mais oh, il y a une pluie d'étoiles filantes. Enfin, des fois, ça peut arriver, hein. Il y a des pluies d'étoiles filantes. Il se concentre sur le ciel. Puis là, il voit l'étoile, mais au lieu qu'elle traverse en horizontale, elle traverse en verticale. Pour lui, c'est bizarre, tu vois. What the fuck? C'est quoi le problème? Quand il voit en horizontale, ça va. Mais en verticale, il n'a pas vu où elle va. Parce que c'est au-dessus, il y a son toit. Il s'arrête. Il est sur une route de montagne, il n'y a personne. Il s'arrête. Il met frein à main. Le moteur il tourne toujours avec sa musique en fond. Il s'arrête et il regarde dans les airs. Il n'y a rien de bizarre, tu vois, que des étoiles qui scintillent. Il regarde en direction de là où il y avait l'étoile filante. Et au moment où il regarde derrière, il sent une bourrasque de vent arriver, comme si elle arrivait du ras du sol. Il sent un peu le bout du vent, tu vois, et du coup ça le fait se retourner, tu sais, ça fait un... Il se retourne comme ça, donc ça venait de là de base, hein. Il se retourne comme ça, et là il revoit l'étoile, mais elle fait une espèce de zigzag dans le ciel. Et il essaye de suivre et il n'arrive pas bien parce que là il y a des arbres, tu vois. Il n'arrive pas bien à voir, il se décale un peu sur la route et tout. Il regarde partout. Il ne sait pas ce qui se passe. Il a carrément oublié qu'il y avait sa voiture qui tournait. Lui il est dans le truc, tu vois. Et on va dire, là il y a un arbre, là il y a sa voiture qui éclaire dans ce sens. Il regardait par là et il est vers là-bas. Et en fait, il suit cette étoile et elle va au-dessus de l'arbre là. Et il la voit plus. Il cherche, il essaie de se décaler. Et au bout d'un moment, il a un pressentiment, un truc bizarre, et il se retourne de l'autre côté. Et à ce moment précis, il se passe que le moment où il regarde vers là, il entend un souffle puissant, mais il a rien sur lui. Et il se retourne littéralement vers l'arbre et toutes les feuilles de l'arbre entièrement sont toutes tombées au sol d'un coup. C'est-à-dire quand il se retourne, il voit les feuilles tomber, elles étaient déjà en train de tomber au moment où il a entendu le souffle là, il a senti le souffle. Ça tombe. Lui il est choqué, tu vois. À quel moment? C'est comme si là, chaque feuille là, il reste que les branches. C'est comme si là, chaque feuille était au sol. C'est bizarre. Il se recule vers sa voiture. Et il regarde autour de lui, il y a un truc dans l'air qui va pas. Il sent, ça lui fait des frissons, tu vois, il est pas bien. Il sent qu'il
peut se passer n'importe quoi à n'importe quel moment. Il est là, il recule, il monte dans sa voiture, et là, il met la première, deuxième, troisième, il trace. Il trace comme une bombe, il trace, direction chez sa copine, direct. Elle l'attend, tu vois, dès qu'il arrive là, c'est pas comme d'hab où elle est là, salut bébé, ça va, c'est pas le petit moment, non, lui il arrive en panique, laisse-moi rentrer, il ferme à clé la porte, il ferme les fenêtres, les volets, il dit, ouah, c'est un truc de fou, il lui raconte l'histoire, elle est abasourdie, parce que déjà, elle, tout ce qui est événement bizarre et tout, elle y croit pas. Tout ce qui est événement paranormal, elle y croit pas. Tout ce qui est ovni, tout ce qui est tout ça, elle y croit pas. Imaginez-vous une personne de confiance, votre frère, votre soeur, votre oncle, votre tante, votre mère, votre père, votre copain, votre copine, n'importe qui, vient vous voir et vous dit « Non mais j'ai vu un truc dans le ciel, il a fait tomber les feuilles de l'arbre. » Sais pas. Tu te dis, mais il est fou en fait. Il a craqué. C'est pas possible. C'est un peu la réaction de sa copine. Genre, il a serré lui ou quoi. Genre, il s'est passé un truc, tu vois, elle lui demande même s'il avait fumé ce soir-là, s'il avait bu avec ses potes et tout. Rien du tout. Sobre de A à Z, rien du tout. Puis c'est pas du genre à raconter des bobards en plus, tu vois. Donc elle est un peu perplexe, tu vois. Bref. Cette histoire, elle passe. Et puis, le lendemain, le surlendemain, etc., il reprend la même route, etc., mais du coup, il ralentit, hein. Il regarde bien le ciel. Il se passe rien du tout. Il rentre chez lui, enfin, il rentre chez sa copine. Rien du tout. Pendant un jour, deux jours, trois jours, une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois, trois mois, il ne se passe rien. Pendant des mois et des mois, je peux pas dire combien, mais il se passe rien. Un soir, il rentre, mais lui en plus en mode ça y est, c'est passé, tu vois. Il a oublié, c'est rien. Un vieux truc qu'on a vécu, c'est bon, je passe à autre chose, ça y est, c'est terminé. Du coup, il est là, chill, il conduit. Et là, il voit une étoile filante. Ce soir-là, il voit une étoile filante. C'est quelques mois plus tard. Il regarde ça, mais il s'arrête pas pour autant. Il continue, tu sais. Et elle repasse dans l'autre sens. Il pile sur la route. Il est tout seul au milieu de nulle part. Il pile sur la route. Il s'arrête totalement. Totalement. Et là, il pile. Il sort comme une bombe de sa voiture. Et il regarde partout et il se met cette fois-ci à un endroit bien dégagé. Et là, l'étoile, elle revient. Cette fois-ci, l'étoile, c'est bizarre. Parce qu'à un moment donné, elle se sépare en deux. Et il verra que l'étoile, elle devient un peu rouge et bleue. Et elle va tourner comme ça. Et d'un coup, ça part au-dessus d'un arbre. Là, il dit, je vais pas me laisser avoir. Il court sur la route et il regarde au loin un endroit dégagé. Donc là, sa voiture, elle est loin là-bas. Il regarde un endroit dégagé, il voit rien du tout. Et d'un coup, l'étoile, elle revient. Et elle passe jusqu'au-dessus de sa voiture. Il court vers sa voiture et en arrivant au niveau de sa voiture, éclairé par ses propres phares, il verra l'arbre qui est au-dessus de sa voiture perdre toutes ses feuilles. D'un coup, littéralement, souffler comme si quelqu'un avait
soufflait sur l'arbre juste au-dessus et que toutes les feuilles s'étaient étalées au sol. D'un coup net. C'est pas en plus les feuilles, elles vont tomber comme ça. Non, c'est comme si tout s'écroulait, comme si toutes les feuilles s'écroulaient. Il a des feuilles partout sur la voiture, à l'intérieur de la voiture, partout. Il rentre dans sa voiture, il trace comme une bombe, il arrive chez sa copine, elle le revoit en panique, elle lui dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « C'est encore les feuilles, c'est trop, ça a fait le même truc et tout. » Il dit « Regarde, regarde, il l'amène à sa voiture, il avait plein de feuilles à l'intérieur et tout. » Là, pour elle, ça faisait beaucoup quand même. Ça voudrait dire que... Elle s'est dit que... Ça voudrait dire qu'en fait, si lui était en train de... d'inventer un peu ces histoires-là, ça veut dire qu'il aurait eu le vice de s'arrêter, prendre des feuilles, ou même des feuilles, il y avait des feuilles vertes, hein, d'arracher des feuilles, les mettre dans sa voiture. C'est quand même un sacré vice, parce qu'il y avait quand même pas mal de feuilles. Là, elle se dit non, il y a quelque chose de bizarre. Bref, ils ont du mal à s'endormir, lui, il n'arrête pas d'en parler, elle veut passer à autre chose, elle veut regarder un truc à la télé, tranquille, elle veut passer sa soirée tranquille, mais lui, il est focus là-dessus. Ok. Ok, ok. Elle lui dit, c'est bon. Tu sais quoi ? Lucas, arrête. Lucas, la prochaine fois, là, tu vas prendre une caméra, tu la mets dans ta bagnole. La prochaine fois que tu vois ça, c'est déjà la deuxième fois. La prochaine fois que tu vois ça, tu filmes. Tu filmes. C'est pas possible. C'est ce que tu as vu. Ça fait ça. C'est un truc juste fou. C'est une histoire folle, là, ce que tu me racontes, Lucas. Alors, tu vas filmer et on donnera des professionnels. On donnera des gens qui, eux, sont littéralement là pour savoir ce que c'est. Des gens qui ont étudié ce truc-là. Eh, t'es prête à contacter des organismes et tout ça. Hein. Et du coup, Lucas, il dit « Ok, ça marche et tout. » Ils passent leur soirée tranquillement et lendemain il revient chez sa copine, pareil, rien, lui encore plus sur la défensive, il fait vraiment gaffe et tout, tu vois, deux fois au même endroit, c'est bizarre, c'est chelou quand même, il fait gaffe. Et puis, un jour, deux jours, trois, quatre, une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois, quatre ou cinq mois plus tard, toujours rien. Toujours rien, il rentre le soir et du coup, il y va tranquillement. Mais à chaque fois qu'il prend la route, maintenant, c'est arrivé deux fois. Maintenant, il n'y a plus de « j'oublie et je passe à autre chose ». Maintenant, à chaque fois, il est quand même sur le qui-vive. Ce soir-là, 4-5 mois plus tard, de nouveau, on est à peu près à un an de la première fois. Hein. Il va voir une étoile filante passer. Mais là, il ne va pas attendre qu'elle fasse le retour ou quoi. Là, il la reconnaît, elle est un peu spéciale. C'est pas juste la petite étoile filante qui disparaît très vite. Celle-là, elle a vraiment fait tout l'horizon. Hein. Il s'arrête. Au moment où il s'arrête, avant même qu'il fasse quoi que ce soit d'autre, l'étoile, elle repart dans l'autre sens. Là, il prend sa caméra dans... En fait, il a un petit rangement sur le côté de la portière. Là. Il prend la caméra dans la portière. Il déclenche la caméra. Il sort de sa voiture. Il sort de sa voiture. Il sort, il filme. Il va pour filmer, on va dire. Il sort. Sa petite copine, elle va l'appeler. Elle va l'attendre. Sa copine l'appelle plusieurs fois parce qu'il devait arriver à une certaine heure et là ça fait quand même longtemps et avec les histoires qu'il a racontées, elle s'inquiète un peu. Même si elle n'y croit pas, elle s'inquiète, littéralement. Et en fait, tout simplement,
fait, tout simplement, elle va prendre son tel, appeler, jusqu'à un point où, elle va prendre sa voiture, parce que là, c'est trop, tu vois, et Lucas devait arriver, et elle va faire la route, elle va tomber sur la voiture de Lucas, au milieu de la route. Les phares allumés, la voiture recouverte de feuilles sur le toit, le pare-brise, la portière ouverte, donc des feuilles à l'intérieur. Mais il n'y aura pas Lucas. Elle se retourne à ce moment-là en direction, donc là elle est vers la voiture, elle regarde à l'intérieur et tout. Elle se retourne en direction des phares de la voiture, là où se trouve sa voiture en face, et entre sa voiture et la voiture de Lucas, au sol, elle va récupérer la caméra de Lucas qui était ouverte et qui était juste là, posée sur le sol. Elle va avoir extrêmement peur. Elle va appeler Lucas très fort. Elle va fermer la caméra, elle va la mettre dans sa voiture. Elle va même pas prendre le temps de fermer la voiture de Lucas ou de l'éteindre ou quoi. Elle fait demi-tour, elle rentre chez elle en panique. Elle tremble comme jamais. Elle s'enferme chez elle. Elle va ouvrir. Elle va réouvrir la caméra, elle va mettre en option de lecture pour les fichiers de lecture qu'il y a sur la caméra. Elle va balayer le premier fichier, une vidéo de deux en vacances en train de rigoler sur la plage. Elle va balayer le deuxième fichier, encore une vidéo de ses vacances, un deuxième, un troisième, un quatrième fichier, elle va tomber sur une vidéo de famille, un cinquième fichier. Elle tombera sur une vidéo de ses potes, délire, soirée, tout ça. Elle va balayer une fois de plus un sixième fichier. Ça sera encore un fichier de deux. Ça sera les dernières images qu'elle aura de Lucas. Parce que ce soir-là, Lucas a disparu dans des circonstances étranges. Plus personne n'aura de nouvelles de Lucas. Il n'y avait pas de lettre d'adieu, il n'y avait pas de comportement spécifique ou étrange. Juste cette histoire de la feuille de trop. C'est la fin de l'histoire, j'en sais pas plus. Voilà ce qui s'est passé ce soir-là.